Bonjour, sur cette vidéo, on va travailler sur ce mur-là. Alors ce mur, hein, c'est un mur de fin de couloir, hein. Voilà, de fin de mes escaliers. On va essayer. Alors le mur est pas très. Bon, j'avais fait les placos, mais en fait je l'avais laissé comme ça parce que j'avais des défauts. Un petit peu dans l'angle là, puis un petit peu dans cet angle là, à ce niveau-là. À la base, je devais y mettre du parement. J'ai abandonné l'idée du parement pour avoir le rappel de mon bar. Et en fait, on va essayer de faire un truc sympa. On va le peindre. On va faire un effet avec des petits losanges qui ressemblent à ça. J'avais vu ça une petite vidéo sur Internet. Donc, pour commencer, je vais scotcher et je vais peindre le mur en blanc. Maintenant qu'on a protégé un petit peu tous les entourages, hein. Tac. Bon, maintenant on va poser de la peinture blanche pour bloquer le fond. On fera avec du scotch des triangles, hein, et on mettra dans chaque triangle une couleur différente, dans des tons gris et des tons roses comme ici pour faire un rappel. Et quand j'enlèverai les scotch, il y aura le fond blanc que je vais poser maintenant qui va apparaître. Alors, hier on avait posé la peinture. Voilà, ça fait quand même plus propre quand c'est sec, hein. J'ai refait une retouche dans l'angle pour avoir une belle ligne droite. Donc je vais mettre mes scotch, hein. On va les mettre des triangles un peu partout là. Et on reviendra sur le mur sur le côté, je changerai de vue. Et après on passera à la peinture. Bon, allez, c'est parti. Ah, le scotch est collé, un peu comme ça. Voilà sur le haut. Et je sais pas si on va bien voir. Je fais le retour de coin. Voilà. Pour peindre mes petits triangles, en fait, j'ai tout un panel de fond de peinture qui me reste. Alors ça, c'est un gris foncé, un peu plastifié. Ça, c'est un gris sage. Ça, c'est un fuchsia. Ça, c'est un gris d'hiver. Ça, c'est un rose qui rappelle le rose d'ici. J'ai ici le gris qui rappelle la couleur d'escalier. Alors ce gris-là et ce gris-là. Alors ce gris-là, c'est la porte qui est ici. Ce gris ici, ça doit être celui-ci de gris, si je ne me trompe pas. Après, j'ai du noir qui est là. Ça, c'est de la peinture noire. J'ai de l'entrée. C'est parti. Je vais finir de mettre sur les plinthes pour les protéger. Sors un petit rouleau et j'attaque. Thank you.
Voilà le résultat. Yeah.